Bandi exam dans la Tibonite continue à faire et de faire dans département actuellement là, yo a travaillé pour capable prendre contrôle en pile côté dans la Tibonite là. C'est cas pour 4e section Saint-Marc côté que bandi ça yo craser caille, yo bouler et yo racher jardin paysan yo dans zone ça. Et habitants yo dans zone ça mandé avec l'État pour responsabilité souple dans dossier ça. Madame Monsieur, nous avons une organisation Nations Unies qui appuie la carré barré accord 21 décembre comme base pour arriver dans l'élection. C'est bien sûr représentant l'ONU dans le pays d'Haïti avec Maria Isabel Salvador qui a annoncé nouvelle ça depuis hier de juin 2023. Nous voulons connaître tout que l'ONU salue l'initiative CARICOM à travers le sommet qui a organisé sous crise haïtienne le 11 pour arriver 13 juin qui va venir pour venir là. D'après Madame Salvador, il fait connaître que l'accord 21 décembre il réunit une large organisation et structure politique dans 10 départements pays. Nous avons tout plusieurs dizaines de militants qui étaient devant la résidence officielle Premier ministre Ariel Henry dans Cadion Sitting qui était déroulé hier vendredi 9 juin 2023 et objectif mouvement si là c'est pour dénoncer insécurité généralisée qui vraiment fait rage dans le pays depuis un bon bout de temps. Nous avons coordonnateur général UNO qui c'est Josué Mérilien qui lui-même critiqué comportement policier et du polio ak sécurité lycée en ténor firmé qui vraiment empêché responsable dans UNO organiser une journée porte l'ouvrir et il était prévoit organiser vendredi 9 juin là sous situation l'école publique dans le pays d'Haïti. Syndicaliste l'an accusé ministre éducation qui c'est Nesmi Boniga dans dossier c'est là. Mesdames, Messieurs, nous avons tous enseignants qui dans l'île de la Gonave qui ont même pris un trêve dans le mouvement enseignant. Pour une façon, élèves sont capables de boucler à l'école. C'est le coordonnateur du groupement enseignant l'île de la Gonave, Rosemé Ulrich, qui lui-même fait annonce là, hier, qui était vendredi 9 juin. Syndicaliste là, lui-même, lui fait connaître que. Il y a pas reprendre mobilisation en septembre qui va pour venir là pour forcer responsable dans ministère éducation nationale satisfait revendication enseignant yo. Madame monsieur, c'est bien sûr grand point ça nous pas gain pour nous élaborer à coup jodi on a pris un cours de pause et on sera de retour tout de suite après la pause. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec votre ami Ronette pour vous servir. Jean-Charles t'a annoncé tout à l'heure, bandit Axamio, nous connaît qui vraiment voulait prendre contrôle en pile côté dans la Tibonite actuellement. Eh bien, c'est cas pour 4e section, c'est mort côté que bandit ça yo crasé en pile caille, yo boulé, yo raché jardin paysan qui a vivent dans zone si là. Citoyen yo lancé tout yon appel ba autorité yo pour capable agir pressé yon façon pour éviter pitata pitris. Ou pral gen chance avec moi kounyan Daniel depuis c'est mort qui pral din plus. Negazam kap tayi bandat tout patou nan département la Tibonite là continue à acheter diverses zones l'argent comptant. En bagé autorité la justice et la police dans niveau Saint-Marc c'est capable pour 4e section route Saint-Marc depuis un certain temps nèg gros âme a opéré dans zone ça fait citoyen qui vivent dans zone là courir quitter caillou jardin pour une cité ça yo seulement yo gen commissaire yo qui rete ve note qui derrière yo nèg yo monter avec gros âme une fois 3h du matin nèg yo y a kembe moun mettez moun coucher rale zam mettez manchette dans cou moun et nèg yo couper mezi jardin non pas bon ici nèg yo couper mezi jardin non. Et malgré nous chercher concours la justice et nous nèg yo gen justice non mais parce que Dieu seul lui-même lui dit comme ça s'il veut faire ici même gens ça vient il gen possibilité pour le faire parce qu'il gen zam et ça dit moun veut notre tendel et nèg yo et par rapport avec yon constat nous fait il gen sacré le blondine là avec Cardonel et puis Alix nèg yo dit comme ça depuis sous constat yo gen constat non mais parce que yo dit comme ça c'est juge là lui-même lui dit c'est cobli l'a vinn faire et yo gen commissaire gouvernement c'est dans dos c'est Dieu seul qui dans dos et Dieu seul dit lui-même li gen justice Saint-Marc là nan men li ka fait ça vle ka fait ça puis tout nous même n'a demandé secou avec justice là bien que nous connaît nous est tout côté et gen gang armé au Saint-Marc pour que gen gang armé n'a demandé la justice est-ce que y a quitté Wout Saint-Marc est arrivé dans niveau ça vient avant
avant pour faire un coup de yeux sur Haute-Saint-Marc. Divers citoyens qui parlaient dans le micro à LN TV dénonçaient l'autorité la justice dans Saint-Marc. Ils dit qu'ils pas fait rien pour freiner les gros âmes qui voulaient acheter l'argent en main, zone 4e section. Après le phénomène d'insécurité a continué un gros impact sur les citoyens qui vivent tout partout dans le département de la Tibonite. Côté Mounsayo, quitte Kayo, Jardin pour établir quartier général, dans pile l'autre commune dans le département, Takou Gonaïve, Lester et Saint-Marc. Citoyens Sayo qui sont obligés de quitter l'école, travail, jardin, pour ne citer Sayo seulement, a couru pour nèg exam captaï banda dans le département. Nous avons des habitants dans la commune rivière la Tibonite qui veulent voir bien haut pour dire non à climat insécurité parce que bandi exam instauré depuis plusieurs années dans diverses régions dans bas la Tibonite en basé autorité judiciaire ensemble avec policiers yo qui donc madame mademoiselle et messieurs information yo pas belle du tout dans pays hein. Nous gagnons citoyens sa yo qui ont même dit que yo bouqué avec Zak banditisio et ont mandé premier ministre Ariel Henry avec DGPNH en France LB souple prend responsabilité dans dossier ça. Maintenant je vous invite à écouter quelques parmi protestataires sa yo. Nan moment sa, nou ap adrese nou avèk otorite peyi ya. Se vre, gen moun kapab di pa gen otorite, mwen ka konprann. Men, li pa normal pou pitit e peyi ya ap mouri kon sa. Ok, ap mouri kote ki e bandi, ok, ap e bay la troublay ap kidnapé yo ap violé yo là nous prenons le cas de la Tibonite et bar Tibonite OK spécialement commune privée de la Tibonite dans moment là côté moun yo aux abois côté moun yo pas capable faire rien pas capable qui avec occupation yo OK et ouais bandi mais filmé dit fait dans commissariat après ça ouais yo à l'aise yo fait ça ouvlé dans boucle là mais jodi a n'a pas adressé nous avec premier ministre Ariel Henry en tant que moun ti rivière en tant que moun qui fait ti rivière clever ti rivière jodi a qui c'est premier ministre pays a qui c'est chef CSPN hein docteur Ariel Henry nous adresse avec ou pour non moun ti rivière m'adresser avec ou est-ce qu'on crité moun ti rivière fin mouri est-ce que famille ou qui vivent ti rivière est-ce qu'on crité fin mouri parce que je dis ou c'est ou même qui roi dans pays là. OK, ou premier ministre ou président et aussi roi. Je dis est-ce qu'on prite moun la Tibonite mouri, spécialement moun la Kayou, tiré la Tibonite. Côté moun yo ap mouri avec dépression. Premier ministre Ariel Henry, malgré c'est avec vous. Nan tout moun ti rivière. Malgré c'est avec vous. Je dis ya, qui ça? Et faut connait que ti rivière c'est une ville qui marque l'histoire qui baille avant dernière guerre indépendance non hein qui baille li mais je dis à docteur Ariel Henry fait fierté ou c'est mon petit rivière pour non petit rivière porter dans l'histoire pays a je dis à nous adresser avec vous sauver petit rivière spécialement moun yo ap mouri yo aux abois bandi ap diriger yo quelle honte ou en tant que moun petit rivière je dis à nous adresser avec vous premier ministre Ariel Henry directeur la police là directeur en départemental police là nous adresser avec aujourd'hui pour nous dire voyez yeux sur mon rivière yo voyez police dans commissariat rivière dans commissariat rivière m'pa connais ça fait
se font bagay quand même pour dire. Et voilà, d'une autre part, nous avons Maria Isabel Salvador, qui est représentante de l'ONU dans le pays d'Haïti. Dans une rencontre avec la presse, il a déclaré que l'ONU appuie carré barré l'accord 21 décembre comme base pour arriver dans l'élection. L'ONU appuie tout initiative CARICOM à travers le sommet que l'IA a organisé sous crise haïtienne, sorti 11 pour arriver 13 juin 2023. D'après Madame Salvador, lui-même qui montre clairement que l'ONU a supporté le gouvernement ensemble avec l'accord 21 décembre, d'après lui-même, l'accord ça, lui réunit un ensemble d'organisations ensemble avec structures politiques dans 10 départements paysans. M'a invité au actuel côté Maria Salvador Isabel Namikon. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des avancées récemment au sujet de la sécurité. Je veux exprimer ou parler un peu comme ça vite sur ces avances importantes qu'il y a eu. Et je pense que, comme vous savez, la police nationale a décidé de se doter d'un système permanent de vetting qui a été annoncé le 1er juin dernier. Et ce système va permettre à la police nationale haïtienne d'améliorer la confiance que la population a dans l'institution. Et d'autre part, je pense que c'est important aussi de soulever l'importance du recrutement de la 33e promotion de la police nationale haïtienne qui est également prévue de commencer ce dimanche, donc après-demain. Et nous allons, en tant que Nations Unies et BINU, continuer à soutenir la police nationale qui a bien sûr un rôle primordial, un rôle central à jouer pour amener le calme et la confiance dans le pays petit à petit. Je voudrais aussi et je souhaite profiter de cette occasion aujourd'hui pour essayer de clarifier un peu le rôle du BINU. Il faut surtout éviter les malentendus pour qu'on puisse avancer d'une manière sereine et qu'on puisse contribuer d'une façon adéquate dans le pays. Comme vous le savez sûrement, notre mandat, le mandat du BINU, se concentre sur deux aspects généraux. Tout d'abord, nous conseillons le gouvernement haïtien en trois domaines. D'abord, la promotion et le renforcement de la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état des droits. D'autre part, le BINU conseille aussi le gouvernement sur la préservation et sur favoriser un environnement pacifique et stable en appuyant un dialogue national inclusif et entre Haïtiens. Et nous protégeons et promouvons aussi les droits humains. D'autre part, notre rôle avec le gouvernement, c'est un rôle d'aide au gouvernement dans un rôle consultatif, n'est-ce pas, dans ses efforts vers d'abord les dialogues et les réformes politiques, ensuite les avances sur les élections, aussi importantes, sur la professionnalisation de la police et la réduction de la violence communautaire. Nous aidons aussi et consultons avec le gouvernement sur la réforme judiciaire et l'amélioration des conditions pénitentiaires et la protection des droits humains et la lutte contre l'impunité. Donc ce sont les grandes lignes sur lesquelles les Nations Unies, BINU, travaillent avec le gouvernement. Et bien sûr, nos efforts viennent en appui aux objectifs de développement d'Haïti et sont intégrés, et c'est pour ça le nom de notre bureau, intégrés avec les 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies dans le pays
qui fournissent une aide humanitaire et mettent en œuvre le programme de développement sous le leadership des autorités nationales et toujours avec consultation, en consultation avec eux. Maintenant, je voudrais rapidement réitérer aussi l'importance que le consensus dans le processus politique haïtien a. Et pour arriver, bientôt, on espère, aux élections apaisées, et ça, dès que les conditions de sécurité le permettront. Moi, personnellement, je suis pleinement déterminée à utiliser mon rôle et la capacité des bons offices pour encourager les parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à rejoindre le processus politique actuel pour la restauration des institutions démocratiques. Finalement, mais il faut le dire, les décisions correspondent exclusivement aux Haïtiens et en général au peuple haïtien et à ses autorités. Je voudrais souligner aujourd'hui aussi la participation de plus de 350 représentants des signataires et des non-signataires de l'accord du 21 décembre et la présence de plus de 40 leaders de la société civile et des communautés de l'ensemble des 10 départements qui semblent générer un nouvel élan dans la mise en œuvre de cet accord du 21 décembre. Et qui a été le résultat de ce table ronde organisée le 23 et 24 mai. Je pense qu'il faut absolument continuer sur cet élan et continuer à travailler pour obtenir un consensus où chacun se sente représenté et écouté. Je voudrais finalement aussi exprimer ma volonté de devenir une espèce de messagère, si vous voulez, du peuple haïtien vis-à-vis de la communauté internationale et pour transmettre la voix du peuple haïtien au monde et que le monde continue et renforce son appui au peuple haïtien. Sans plus tarder, nous avons l'initiative Mouvement 29 mars, là, il y a plusieurs dizaines de militants qui étaient devant résidence officielle Premier ministre Ariel Henry vendredi qui était 9 juin 2023 dans cadre bien sûr un sitting et objectif mouvement ça c'est pour dénoncer insécurité généralisée qui a fait rage dans pays depuis un bon bout de temps. Protestateurs yo te critiqué chef gouvernement Ariel Henry, yo dit qu'il pas gagné capacité pour porter solution à la crise pays d'Haïti a traversé actuelle là. Yo mandé avec chef gouvernement remettre démission. Nous gagne quelques militants qui était dans micro. Président Jovenel Moïse, nous te confirmons manifestation, mais nous ne pouvons pas demander, nous aussi président Jovenel Moïse.
Michel, c'est Rika, c'est André Michel, et ton cycliste Rosil, Zorel Chassin, mais je dis à mon peuple Jamaïque là, et Marie-Ariel Henry, c'est DDN lié, t'es honnête, c'est pour nous-mêmes qu'on dit, bataille pour le changement de pays, bataille pour chaque petit des animaux à l'école, bataille pour chaque des haïtiens, car ils vont soumettre l'hôpital. Bataille pour chaque des haïtiens, car le logement, tout autant, nous avons des dirigeants responsables, nous sommes toujours dans la RIA. C'est souvent ça, ma fille. Bataille nous a peiné pour le régime Jovenel Moïse. Nous allons faire une bataille contre Jovenel Moïse en soi. Nous appelons contre la réaction Jovenel qui va t'abonner. Je dis à là, nous demandons pour Jovenel à la prison, mais nous ne demandons pour Ariel Henry comme criminel, ni assassiner Jovenel, ni pas quitter Jovenel à la prison peine. C'est souvent ça, je dis à nous là, pour nous dire Ariel sont volés, Ariel sont criminels, les tirés sont criminels, qui c'est Jovenel Moïse. Tout bas ça, la justice, pour prendre acte, pour arrêter Ariel, pour Ariel Henry. Alors, devant résistance, de manque classique, moi, je viens l'échanger la galerie. Vous connaissez ça par Ariel, 2 ans, ça les dit 24 mois. Depuis qu'elle est là, jusqu'à présent, et si nous avons ensemble des transitions qui viennent ici, des gens de pays d'Haïti, si nous avons été Pascal Touillon, dans moins de 1 an, été Pascal Touillon pour l'élection de pays. Si nous avons Gérald Accord avec Boniface Alexandre, dans 2 ans, l'élection qui est préparée dans le pays. Mais là, on voit ça, délinquance avec la galerie. Jusqu'à présent, nous avons ces massacres qui continuent à faire. Jusqu'à présent, nous avons ces mouns qui conduisent et continuent à péter dehors la galerie. Jusqu'à présent, c'est les policiers qui ont massacré la galerie. Jusqu'à présent, c'est la population haïtienne qui va circuler. Nous avons jusqu'à présent, question pétro-caribé que nous avons défendu dans la rue. Jusqu'à présent, parce que les gens qui Ariel, qui ont une résolution qui a été prise dans le pétro-caribé. Jusqu'à présent, la justice provocation tout ça. Jusqu'à présent, question massacre qui est faite dans le pétro. Jusqu'à présent, la justice provocation sur ça. Mais c'est ça qui fait que je dis à nous-mêmes, nous devons, président Souverman, qui est là, qui voit ouvrir la rue dans la rue. Comme nous connaissons les questions de la galerie, comme qui a parlé, pour nous dire nous-mêmes, nous continuons à défendre les fondamentaux, nous devons nous défendre sur le pétro. Question pétro-caribé, massacre la saline, tout massacre qui fait dans tout le pays, n'a pas continué de défendre et faut que vous vous allez devant le Canada. Pour nous citer quoi vous là et pour nous dire, Ariel Henry que vous mettez là, clamez puis dénoncez, roi de l'homme dénoncez, vous même la caillou, vous dénoncez, vous reconnaissez, Ariel Henry participe. Assassiner le président Lakaili et nous saisir ouais, cette communauté internationale ça qui gagne Ariel là jusqu'à présent nous dit que nous mêmes nous venons devant Primatia pour nous annoncer international là pour nous annoncer tout pour nous dire nous comprenons que là les arrivés. Nous venons chercher Ariel Henry en dedans pays parce que nous-mêmes, nous plus que déterminés quant à pour Ariel Henry, pour que l'aller dans le pays national ensemble avec l'équipe volée, assassin qui est ensemble avec nous. Presque 40 massacres faites en dedans pays. Massacre ça, c'est moun. Ariel Henry mettait des âmes dans le pays. Dans tout endroit, je dis, la journée, moun pas qu'à fonctionner, qui dirait Dieu la nuit. Et son pays qui revient avec Ariel Henry seulement. Je dis à la fin de pays, la jeunesse haïtienne, dans tous les départements, dans 147 ou 448 communes en pays, pour le lever café, pour Ariel Henry arrêter, à le mettre dans l'organisation nationale, même j'ai arrêté. Assassiné le président, nous condamné la vie, je dis à nous voulons Ariel Henry, à nous qui participons dans le massacre à Zébrisé, assassiné le président, et puis massacre mon Andabéia, nous voulons mon Zayo, en dégâts de la vie. C'est comme ça, information a déroulé. Nous gagnons tout. Un thème ça, c'est Haïti. Les défis de la lutte contre la corruption. C'est bien sûr thème décanat, faculté droit, sciences économie, universitaire d'État d'Haïti, n'a pas au Port-au-Prince. N'a tête collée avec ensemble contre corruption. Fondation tout, j'éclairé. Qui, yo même, moun sa yo,
organisé une conférence débat journée qui était 9 juin 2023 dans faculté droit une façon pour étudiants qui dans sciences juridiques responsable FJKL maître Samuel Madistin qui lui-même était principal intervenant dans conférence si là il regrette infiniment certaines monde dans société qui t'a banalisé corruption qui vraiment a gagné société là maître Madistin souligné faiblesse institution étatique yo qui mandé compétences techniques avec indépendance pour bataille contre fléau si là en dans pays d'Haïti ensemble m'a invité au côté Samuel Madistin c'est ensemble contre la corruption et fondation J'éclairé qui était associé avec décanat faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince là et qui était invité à venir prononcer pour étudiants yo pour jeunes yo en conférence sous le thème Haïti, les défis de la lutte contre la corruption. C'était ça le thème là. Parce que si on connaît la corruption, c'est un phénomène, un fléau mondial. C'est un phénomène qui empêche le développement de la société, qui empêche le lien social, qui favorise la violence, qui prive l'État des moyens et des ressources qu'il lui faut ou appliquer des politiques publiques en faveur de la population. Et il y a une tendance dans la société pour banaliser la question de la corruption. Ils ont présenté comme un phénomène inéluctable, comme si son bagage n'était pas jamais fini. Et en pile, le monde a parlé de la question de la corruption sans ne pas maîtriser. Donc, démarche, organisation SAIWAC-FATPA, c'était un point de vue scientifique sur la question pour que les étudiants comprennent et identifient les défis. Et nous avons identifié les défis avec eux. Le plus grand défi de la lutte contre la corruption en Haïti, c'est le défi de l'état de droit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'État qui est organisé dans le cadre du respect de la loi, côté institution yo a fonctionné conformément à la loi et que dirigeant yo fait ça yo vle ça yo pipito ça pas gain compte à rendre à personne donc ça favorise corruption et deuxième grand défi que nous avons, c'est un défi normatif et institutionnel norme que nous gain jodi a pour lutter contre corruption yo en Haïti yo insuffisant et yo tout manque clarté. Nous avons identifié quelques insuffisances, quelques manquements qui gagnent dans la législation haïtienne sur la corruption avec eux. Nous avons passé en revue les faiblesses des institutions de l'État. Par exemple, si on prend une institution comme la Cour des comptes, qui faillit totalement à sa mission, une institution comme le Parlement dans sa mission de contrôle, qui n'a jamais exercé sa mission de contrôle véritable. La loi de règlement que le Parlement n'a jamais voté, qui sanctionne l'exécution du budget national. La justice qui est défaillante, ou bon justice qui n'a pas répondu aux justes revendications de la population. Ou pas jamais de vrai procès véritable contre la corruption. Institution qui a lutté contre la corruption, qui manquait indépendance et qui manquait parfois compétences techniques pour faire travail. Et au bon, le troisième défi, c'est le défi d'une société civile bien informée et organisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilisation qui fait à travers l'université, les organisations de femmes, les syndicalistes, les organisations religieuses, les écoles, les organisations de défense des droits humains, toute la société qui imprégné de la problématique de la corruption, qui a compétence, n'est-ce pas, pour identifier les actes de corruption, pour sensibiliser la population sur la question de corruption, et pour forcer les acteurs étatiques pour bailler résultat dans la lutte contre la corruption. Et c'est l'invitation ça que me lancer à jeudi. Je dis, il faut nous faire un front commun, tous unis contre la corruption, c'est le leitmotiv.
Et voilà, nous avons un dirigeant coalition nationale organisation populaire Yosenop Haïti qui lui-même dénoncé stratégie PHTK a fait là pour organiser élection piqué collé dans pays pour capable toujours qu'embe pouvoir. Il est pour faire profiter de occasion ça dénoncer en même temps tout corruption qui continue à tailler mandat dans bureau immigration yo dans dossier passeport. Il est pour faire dans micro. Pour question élection, c'est pas bagaille nous besoin parler. Nous même dans Sénop Haïti qui c'est coalition nationale des organisations populaires yo par le biais de son porte-parole le professeur Hilaire Prophète c'est pas de bagaille nous besoin qu'on parler pour le moment parce que un condition yo pas favorable deux c'est on seule équipe depuis plus de 14 ans qui gagne renne pays à namel ça veut dire cap coupé raché en termes économiques. Côté l'autre secteur, yo, yo pa an dan espace l'État. Jodi an soa l'organize on élection kounya, se yon men bas ekip ou pouvoir ap fè, sa veut dire équipe PHTK, ki pral au détriment de l'autre outil politique important dans la société. Et ça fait. Nou gen pou nou fon sorti nan jou yo, nan silence nou, pou nou bay position nou sou ensemble de fè brûlant. Ka passe nan société a jodi an gade sa ka passe nan question passeport jodi an malgré gouvernement de facto a vini ak yon kozi fè inscription en ligne pour on moun kapab fè passeport mais an dan sant yo c'est de gros corruption ka fèt c'est cob pour gagner pour toujours fè yon passeport. Ça veut dire DIEA qui c'est direction immigration ak immigration tourner marché quoi beau sale et ça fait dans jou k'ap vini yo n'ap sorti dans silence nous pour nous fixer position nous et c'est dommage nous ka retourner dans même période tête chargée yo ça veut dire pays fermé encore mais c'est dommage parce que nous pas attendre encore. Dans ça qui vient pour avec conseil municipal Cabaret depuis plusieurs mois, il réduit avec un seul magistrat, magistrat ça qui c'est Joseph Johnson Guillaume et de l'autre yo qui c'est Jean-Garry Jean-Louis ensemble avec Vanille Fefe qui a abandonné poste yo. Cependant chaque mois, chèque toujours sorti. Réalité ça, il touche plusieurs autres communes dans pays en soi et bien ça la cause que mairie ça yo a fonctionné clopi clopa. Nous gagnons Pascal Fleuristil depuis arrondissement d'Akaye pour plus de détails. Conseil municipal commune Cabaret a réduit depuis plusieurs mois à un seul magistrat qui c'est Joseph Janson Guillaume. De l'autre magistrat pour nous citer magistrat Jean-Garry Jean-Louis qui pas dans pays a ak Vanit Fefe les mêmes qui pas jamais mettre point de pied dans mairie a selon toute information magistrat ça yo continuer à recevoir chèque chaque mois dans mairie a et puis ministère intérieur pas fait aucun moyen pour remplacer yo réalité ça qui frappe mairie Cabaret a semblé partout dans pays a parce qu'en pile magistrat parti quitter pays a pour aller chercher la vie meilleure dans pays Canada ak États-Unis ça qui rend municipal qualité yo a fonctionné kousi kousa. C'est magistrat Joseph Janson Guillaume qui l'a gué pour col dans tête commune Cabaret. Parallèlement, population Cabaret a critiqué comportement passif agent intérimaire dans question dossier Negaxam qui envahit sous matelas yo. Habitants zone n'a fait connait, magistrat Guillaume pas montré li c'est un chef dans question ou n'a fait songer conseil municipal yo gen gros rôle dans développement local yo. C'est peut-être ça, yo doit bien fonctionner dans intérêt toute collectivité ya. Pascal Fleuristil depuis arrondissement Akaye pour taxe 509. C'est comme ça, gagne journée porte l'ouvrir Union nationale normalien haïtien yo côté que te prévoit organiser dans local lycée Antenor Firmé dans capitale. Je quitte vendredi 9 juin 2023 yo côté que le patri veut fait à cause de plusieurs policiers qui dans unité et du pôle mélangé avec divers agents sécurité lycéen qui était empêché activité ça réaliser dans espace l'école. Conférence là, il t'a fait sous situation l'école publique yo dans pays d'Haïti d'après coordonnateur général Uno Josué Mérilien qui dénonce le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga qui t'a bailé l'ordre d'empêcher l'activité de se réaliser.
professeur Merilien renouvelé engagement pour continuer à bataille ça que il y a mené dans objectif porter un changement réel dans le système éducatif haïtien. Josué Merilien Tenamiko. Je n'ai pas ouvert sur comment éducation aille. C'est aujourd'hui pour que professeur, élève, viennent réfléchir sur qui est éducation aille. Soit là dans le lycée, soit le lycée et Barichan, l'autre lycée encore, il a fait sous un gars. Côté depuis 10-11 heures, et les pas supporter chalet pour le professeur. Là, tout, l'école a fait sans manger dans tout le pays en net. Parce que là, au week-end, l'État de Miki a deux plats chauds à chaque élève pour le professeur chaque jour. Et les gens, ils ont un laptop, ils ont internet, ils ont minimum pour apprendre. Ici, là, nous avons l'école. Si un élève est soif, ce n'est pas 10 gouttes de plats chauds pour sa chaîne d'eau, soif. Donc, il y a un professeur qui travaille, il y a un an, deux ans, il va payer. Le coût de la vie a augmenté de 3-4%, il n'y a rien qui fait. Donc, le professeur, il a dit, élève, yo, je vous dis, tu veux faire une réflexion sur l'état d'éducation. Et tu as dit, élève, tu as parlé, pour ce qu'il a parlé, justement pour montrer dans quel état l'école professionnelle d'Haïti et si c'est de l'école publique yo, en particulier. Donc, Nesbi, qui sont ministres PHTK, ou ministres Bakoutik, maintenant, quel sauté, parce que il y a plus de dossiers que nous écrivons ceci. Nous écrivons la Cour des comptes pour nous bailler une série de dossiers côté. Il y a des copes d'espèces qui peuvent rouler, puis elles font la tête, puis elles marrent. Si vous avez un cop pour l'éducation, pas un cop pour mettre l'école, mettre l'école, c'est comme ça, il y a boulé, il y a fait corruption, il y a volé. Maintenant, nous avons des preuves fait que des copes que l'esprit boulé, nous écrit. Et c'est ce qu'il a pour ça, il faut faire la tête, de façon pour attester. Ensemble de copes qui vont là pour marrer les gars en commençant par d'esprit libre. Maintenant, quelle sortie ils paniquaient, et maintenant toute action qu'ils ont faite et paniquaient. Et je veux vous dire, nous quoi comprendre que nos lycées, côté élèves, professeurs, décident de faire une porte ouverte, puis réfléchir sur l'état de l'école, l'état de l'éducation, hein, puis on dit qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous avons une éducation qui a formé des gens qui sont et qui a été payé. Et puis, au ministre qui dit que l'éducation est libre, bloqué. Et moi, c'est que ça, ce mec qui a dénoncé, parce que autant de Duvalier, nous comprenons que les Duvalier, pas de possibilité pour élèves, pour se faire un débat. Mais nous gourmets, depuis 1986, pour que nous ayons le droit pour nous parler, nous ne disons pas ce que nous pensons, et aucun ne nous parle de ça. Je veux dire, c'est que ça, sont des dérives graves, nous dénoncer, et nous disons tout élève, professeur, parle, tout militant, mobilisé, pour nous casser, n'a dit, dynamique ça, qui déclenchait, côté PHTK, qui c'est, n'a dit, petit Duvalier, je vous ai compris qu'il y a un retiré droit pour nous parler, droit pour nous discuter, sur ça qui concerne nous. Donc, ce est très grave, ça vous dit une fois de vie, à qui vous avez l'esprit sur PHTK. Donc, pour ça, il dit que ça va être d'elle. Parce que l'esprit sur PHTK, PHTK, nous pouvons savoir ce qu'elle dit. Donc, ça, et, on le fait encore, l'esprit boutrel, que qui s'allie. Donc ça veut dire que nous dénonçons et nous disons que nous continuons avec la mobilisation jusqu'à ce que nous jouions sans choix comme résultat. Et oui, pour nous mettre fin, il faut qu'on ait que coordonnateur regroupement enseignant de l'île de la Gonavlan, Rosemé Ulrich, a annoncé tout que hier, qui était 9 juin, il a pris un trêve dans le mouvement enseignant, il y a une façon pour les élèves capables. Et bien sûr, qui a souffert, qui a capable de boucler année l'école. Ou revendication enseignante jusqu'à présent, pas jamais satisfait. D'après syndicaliste, là, les critiques responsables dans le ministère de l'Éducation nationale qui vraiment fait mesurer ce mouvement enseignant. Et il a annoncé tout que enseignant va gagner pour reprendre mobilisation en septembre qui va gagner pour venir là. Rosemé Ulrich, t'es dans le micro. Mais trêve nous prend, c'est pas pour le ministre, là, c'est pas pour l'État. Trêve nous prend pour élèves yo, nous prend pour parents yo. Je dis à cap bousquer chercher la vie yo. Je dis à nous prend trêve. C'est pas 10 problèmes yo résoudre, pas qu'il y a aucun problème qui résoudre. Je dis à revendication yo toujours été de même, toujours directeur AI yo. Yo pas joindre lettre de promotion yo. Toujours, non, augmentation ou donc ajustement salaire n'est pas fait. Toujours, nomination pour instituteurs, pour enseignants, professeurs, n'est pas fait. Je ne dis pas, nous dit l'école nationale a toujours été, n'est pas construit. Timoun a toujours été à Chita sous Wosio.
Je ne veux dire nous demander on trêve. C'est parce que nous gardons nous dans qui misère parents yoye. Qui genre de misère élève yo a passé qui fait que je dis nous prenons trêve surtout dans l'école et publique yo. Je ne veux dire mode l'état ça avec ministre Nesmimaniga dans tête li ministre ça qui là dit tout simplement basé sur les écoles et privées. L'école privée yo et fini soi-disant composé ou donc fait décision de fin d'année yo ministre la content li ba bravo et tandis que l'école l'état yo même n'a gardé mettre là dans lycée yo là dans l'école nationale yo troisième contrôle là pas qu'a fait. C'est ça que fait nous même dans le regroupement des anciens de l'île de la Gonave nous demandons trêve pour que ti moun yo capable évaluer dans troisième contrôle pour que yo capable aller faire classe sibérien yo. C'est pas un cadeau nous fait avec ministre Nesmimaniga mais nous pral parler devant pour lui d'ici mois de septembre entre septembre entre octobre une jodi a nous même nous pral camper c'est là nous pral barrer le ministre là c'est là nous pral barrer l'état pour nous dire yo cadeau a nous pas faire cadeau nous même dans le regroupement des anciens. Et oui, c'est comme ça information qui a déroulé dans le pays d'Haïti. Mabdou, merci parce que tu as pris du temps pour regarder la vidéo. Ça, c'était Winette Thomas de Mikwa pour servir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il y a un pays qui finit de craser. L'homme de petit, expression ça n'a pas de gain sens pour moi, malgré le en créole. La moum te kon pataje ak zan menm yo, pa de bon tan pou m chèche comprendre tout. Lèm vin voyager, j'aime commencer l'ouvre sou kek réalité. Menm te vin pipe réalité sa yo. M pa tan vi comprendre. Après 10 ans nan pays l'étranger, malgré tout mauvais nouvelles, nostalgie exige m vin visiter pays m. Et c'est là m commence regrette ki m te grandi. Plutôt m te petite. Dans la bataille entre nous, nous pas engagés, nous n'avons rien qui est important pour nous. Depuis, c'est pas pour chou qui te mêle ou à kidnapping. Just pour la ou ka, te kyo qui te mêle ou à pay show. N'a clé ou ne manifeste, ma de justice pour Jovenel. Pas de cet an, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que t'es nos droites qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire ta scène, va foutre si span rassé là. I love. My country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'aime n'a pas suspendu fait caca. Semble une bafoudre ou un état. Merci, politicien, merci, bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre fou, pédagogue, fonctionner. Ligne ou sardine, pas d'un bac machin, pas à poser sous grand riz. Oh Jésus, bagay sa femme. I just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui pour bon village de Dieu?